bien écoutée, c'était une sorte de musique militaire turque, mais vue par Mozart. Évidemment, ça ressemble plus trop à de la musique turque. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simplement pour que les élèves aient un écho de ce qu'ils ont vu en concert. Pour pas que ce soit juste un morceau comme ça joué. Non, non, on a joué un morceau qui a été écrit au même moment que l'opéra qu'ils ont vu d'Antonio Salieri. Et tous les morceaux que vous allez entendre ce soir sont des morceaux en lien avec ce qu'ils ont vu dans l'année. Pour savoir aussi combien de temps on a mis pour monter ça, c'est 2 heures par semaine d'orchestre. 2 heures par semaine où on se retrouve avec Madame Anziani, le professeur de musique, et moi-même pour organiser justement des sessions de travail en groupe uniquement, accompagnées par des intervenants musiciens professionnels, des talents lyriques. Apprendre progressivement, mais en groupe. Et l'idée de pouvoir faire justement peut-être un lien avec cette maison qu'on appelle un conservatoire, qui développe plutôt une pratique individuelle avant d'aller vers le groupe. Et c'est vrai que nous commençons par le groupe pour arriver progressivement à l'individuel, pour ceux qui le désireraient. Ah! 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 Ah!